Oh. Bah alors. Hello. Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Katmandou, la capitale du Népal. Tu vois, je suis en période des moussons et c'est pas facile parce qu'il pleut toutes les heures et quand il pleut, ici ça pleut vraiment. Mais je me suis dit, aujourd'hui il fait beau, profites-en, tu vas partir dans quelques jours et c'est le moment d'aller visiter les lieux incontournables de la ville. Forcément vous retrouverez des références à Bouddha un peu partout. En fait j'aurais dû ramener mes cordes et mes mousquetons. Allez, courage. Ça y est. Wow. A complètement succombé aux sirènes des commerçants et des souvenirs en tout genre. Ça gâche un peu vraiment l'ambiance du temple et ce qu'on vient rechercher. Bon. Ils essayent aussi de gagner leur vie et faut pas oublier que depuis 3-4 ans, ils viennent de sortir d'un gros tremblement de terre qui a dévasté toute la région. Je peux comprendre qu'ils essayent aussi de gagner leur vie. Quoi. Complète reconstruction et on peut vraiment encore voir les stigmates de ce tremblement de terre qui a été vraiment terrible pour les Népalais. Ils se remettent tout juste sur leurs pieds et ils auront encore besoin de beaucoup d'années pour pouvoir être vraiment revenir à ce qu'ils étaient au niveau économique et sanitaire aussi, puisque le Népal a des gros problèmes. Ça pue, hein. Bah ouais, ce qui devait arriver, hein. Il pleut. En même temps, on est en pleine période des moussons. Et ça rigole pas, quoi. Bon, la pluie ne s'arrête pas. Ça devient quand même un truc de ouf. Voilà, c'est dans ce moment-là qu'on est content de voyager, là, tu vois. Ah ouais, mais ça rigole pas du tout, en fait.